lines are being drawn as we speak. Whose side are you on? Control the secrets, and you control the cities. Death is just the next step. You first. Incoming! Take cover! Daddy! Daddy! The balance of Ravnica is about to change, and change is good for us. Et bienvenue sur le jeu de la dissidence, qui est Magic Arena. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Donc si jamais vous avez un doute pour savoir le fonctionnement du Magic, vous avez, voilà, vous avez tout. Vous avez le tuto, en fait, sur Magic Arena. Tout est dispo. Je voulais faire un truc, mais je sais pas quoi, en fait. Je sais pas ce que je peux faire de rigolo. Donc, événement construit. Mais il y a quoi? C'est quoi l'événement construit? C'est quoi? Utilisez votre deck construit et jouez des matchs. Vous recevrez des pièces d'or et des cartes en fonction du nombre de victoires obtenues. Chaque carte inhabituelle remportée. Allez, on va prendre lequel. C'est lequel le plus efficace? C'est lequel le plus efficace? C'est pas mon test rituel, ça c'est sûr. J'aurais dit Londin. Le secret de la jungle. Allez, secret de la jungle, envoyez. Je vais théoriser sur le fait que ce soit lui le plus efficace. Et donc on va faire quelques parties. Donc si on n'est pas satisfait, le mulligan c'est le principe de, on commence toujours une partie de Magic, sachez-le, avec 7 cartes, c'est obligatoire. Enfin, à moins d'avoir une carte spéciale. Mais on commencera toujours sinon une partie avec 7 cartes. Ça je parle pas pour Magic Arena, je parle pour le Magic classique, puisqu'il y a d'autres des cartes qui nous font commencer avec d'autres cartes. Ouais, c'est bizarre. Il y en a même une qui nous fait commencer avec deux mains différentes. Là c'est très bien, on garde. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec ce jeu. Ok, donc. Hop là, Phantom. C'est un vert bleu, donc ça doit être le même. Je jouais ça, moi, là-dedans? Apparemment. Combat. Attaque. Tac-tac. Tac-tac. Bien sûr. Enfin. Et ensuite... Pourquoi pas? Pourquoi pas et pourquoi pas? En fait, on peut tenter ça et ça. Ça se tente, ça se tente. Ça fait quoi ça? Sur genre de jeu, j'ai un type de créature. Un bleu, machin. Ok. Oui, pardon, résolution. Oui, vas-y, si tu veux, fin de combat, mon tour. Merci, pardon. Je t'ai pas dedans. Andin, terminé. Ensuite, tu vas me jouer la tisseuse. Tu bouges plus. Pas bouger. Attaquer avec tout. Un attaquant. Voilà. Ensuite, pour 4, 2 bleus et 2 verts, je joue ça. Ça, ça fait bleu, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, pour 4. Ensuite, on joue ça. On va avoir besoin de cartes, donc on attaque avec tout. Deux attaquants. Voilà, merci. Pas très intéressant, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il faudrait que je joue 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ou je peux... Ouais. Ou alors 2, 3, et ça dépendra de ce que je pioche, en fait. Ou on verra, ou alors 3, 4, 5. Ouais, j'en aurai besoin. Arrive sur champ de bataille jusqu'à 2... Ouais, bah oui, bah oui, bah oui. Hein. Donc on engage la 2, 4. Ça fait quoi, ça? Toutes les créatures que l'adversaire contrôle. Donc on va faire. Pas bouger. Ensuite tu vas me jouer ceci. Au revoir. Attaquer avec tout. Trois attaquants. Là faut que je fasse gaffe au nombre de cartes que j'ai en main. Ouh, intéressant. Très intéressant. Ça c'est intéressant pour le marqueur, ben voilà, donc on doublera ça. Et si j'ai assez, je joue ça en plus. Et là j'ai gagné. Mon Andin est très efficace quand il est bien joué. Et quand j'ai de la chance sur la main de départ. C'est classique, c'est dès qu'on a de la chance sur la main de départ, c'est bon. Ça m'intéresse ça, c'est quoi le mystique fond, hein, sur champ de bataille ciblé. Donc déjà, mana.
Ensuite, tu m'engages tout. Oui, bien sûr, dans l'idée, voilà. Ensuite, tu vas me jouer ceci. Sur lui. Et je n'ai plus de terrain, donc attaquer avec tout. 4 attaquants. Désolé. 4 minutes. Bon, bah, c'est une victoire. Donc, on va faire là, cette partie-là. Je vais la faire une vidéo, une victoire. On va, enfin, une vidéo, une partie, plus exactement. 250, bah oui, donne. 3 cartes, au moins 3 cartes inhabituelles. Ok, donc on va s'arrêter là. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc je pense que la prochaine vidéo sera publiée demain ou après-demain. Ça dépendra du montage, etc. Et cetera. Et ben à bientôt les gens.